Les origines du vocable Nyabarega et sa signification légendaire au Burundi. Le terme Nyabarega a plusieurs significations dans l'histoire du Burundi. Tantôt, ce terme signifie une fosse dans laquelle on jette les ordures ménagères. Tantôt, il signifie le nom d'un grand monarque qui a régné sur le Burundi du temps de la monarchie. Ce terme est, selon certains analystes, un mythe, mais d'autres affirment que c'est une réalité. Le professeur Bukuru Deni nous éclaire sur la vraie signification de ce terme et d'où est venue cette appellation. Nyabarega, c'est un roi, un ancien Mwami du Bugesera. Le Bugesera était un ancien royaume qui était limité par la Kanyaru à l'ouest, la Nyabarongo et la Kagera au nord, la Ruvubu à l'est et au sud, ainsi qu'au sud-ouest. C'est donc un ancien royaume qui englobait les provinces actuelles du Burundi, de Karusi, Muyinga, Kirundo, et qui débordait au-delà des lacs Chohoha et Rweru jusqu'au Rwanda, au sud du mont Kigali. Donc ce royaume fut démantelé, détruit, et fut partagé entre le Burundi au sud, la partie sud, qui je pense à peu près les trois quarts du royaume du Bugesera, et un autre quart est allé au Rwanda. Nyabarega, c'est donc un des rois du Bugesera qui s'appelait Nsoro Nyabarega, le troisième du nom, parce qu'il y a eu plusieurs rois portant le nom de Nsoro au Bugesera. Il y a eu Nsoro Bihembe, Nsoro Sangano, Nsoro Nyabarega et Nsoro Nyamugeta. Donc, celui dont il est question, c'est Nsoro troisième, troisième du nom, Nsoro Nyabarega. Alors, Nsoro Nyabarega était contemporain du roi du Burundi, Ntare III Kivimira, et du roi du Rwanda, Yuhi III Mazimpaka. Ici, vous devez comprendre que nous sommes dans la logique de quatre cycles dynastiques au Burundi. Et Nsoro Nyabarega combattit contre le Burundi et contre le Rwanda. Et il a été vaincu et il a dû fuir. On dit alors qu'il a fui dans une grotte, la grotte que l'on a appelée Ichobocha Nyabarega. Et il a disparu. Ntare III Kivimira envoya ses troupes pour le chercher. Ils prirent des houes pour creuser. Bon, il leur a dit, allez creuser jusqu'à ce que vous trouviez Nyabarega, Kwimba Nyabarega. Et l'expression Kwimba Nyabarega est venue de là. Et comme Nyabarega a disparu sous terre, et les armées de Ntare Kivimira ne pouvant pas le trouver, Ntare lui dit, Nyabarega, tu vas sous terre, j'enverrai la taupe te chercher. Et si tu vas au ciel, j'enverrai la foudre te chercher. Et Nyabarega disparut pour de bon. Et la légende veut qu'on l'attend, qu'il pourra réapparaître dans un autre trou, dans une autre grotte. Et c'est ainsi qu'on a plusieurs grottes qui portent le nom de Ichobocha Nyabarega. Voilà Nyabarega. Nyabarega, c'est donc un roi du Bugesera, Nsoro III Nyabarega. Le professeur Denis Bukuru nous éclaire sur le rôle qu'a joué ce grand monarque et sa représentation historique au Burundi. Il a un rôle important de mémoire d'abord parce que il a laissé une histoire des croyances. Bon, il est aussi important parce que la victoire du Burundi sur le Bugesera
a doublé quand même la surface du Burundi. Mais ici, il faudrait souligner que le Burundi ne conquit pas entièrement le Bugesera à l'époque de Nyabarega, mais à l'époque d'un de ses successeurs qui s'appelait Nsoro Nyamugeta. Mais Nyabarega est très important quand même parce qu'il a laissé des traces au niveau de l'environnement, au niveau de la géographie et au niveau même du langage. C'est une légende qui est très importante et dont les Barundis peuvent apprendre beaucoup de choses sur l'histoire. Selon toujours le professeur Denis Bukuro, l'existence de Nyabarega est en même temps une légende et une réalité. Bon, c'est les deux. Je dirais que c'est les deux. C'est d'abord une réalité historique parce que Nyabarega, c'est un roi qui a existé réellement et qui régnait sur le Bugesera vers la fin du XVIIe siècle. C'est un roi, c'est un personnage historique, réel, du clan des Bahondogo. En fait, les rois du Bugesera faisaient partie du clan des Bahondogo. Et les Bahondogo existent toujours au Burundi. Et donc, historiquement, il a existé. Mais c'est aussi une légende dans la mesure où, derrière l'histoire de Nyabarega, s'est développée une légende, la légende consistant à dire qu'il a disparu sous terre et qu'il pourra revenir plus tard. Et on le cherche toujours, on l'attend toujours. Et même aujourd'hui, lorsque on dit de creuser des compostières, on dit « Kwimba Nyabarega ». C'est donc une légende à ce niveau-là, mais une légende qui a commencé avec un personnage historique réel. Les grottes de Nyabarega sont localisées dans plusieurs endroits du pays, notamment à Muyinga, Tchankuzo, Ruyigi et Rutana. Le professeur Denis Bukuro éclaire l'opinion sur les significations à donner à cela. À considérer la géographie du Bugesera, de l'ancien royaume du Bugesera, des limites de l'ancien royaume du Bugesera, Ichobo cha Nyabarega, la grotte originale ou originelle, et c'est celle de Muyinga, parce que c'est de toutes ces régions, de toutes ces provinces, seul Muyinga se situe à l'intérieur du pays, de l'ancien royaume du Bugesera. Mais par contre, à partir de là, les Barundis ont dénommé Ichobo cha Nyabarega toutes les grottes profondes, plus ou moins profondes, partout où ils se trouvent, comme vous avez dit, à Tchankuzo, à Ruyigi, à Rutana. C'est comme si les Barundis attendaient que Nyabarega surgisse partout où il y a des grottes. Mais, originellement, il n'y a qu'une seule grotte réelle où, par laquelle Nyabarega se serait enfoui. C'est celle de Muyinga. Et les autres, c'est par imitation qu'on les appelle Ichobo cha Nyabarega. Ces différents sites ne sont pas connus par le grand public et pourtant ne procurent rien au gouvernement. Le professeur Bukuro Denis fait un clin d'œil aux décideurs pour que ces sites soient utiles pour le pays dans le cadre de la valeur ajoutée. Il faut trois choses à mon avis. D'abord, il faut que cela rentre dans le cadre de la politique culturelle du Burundi, du programme du ministère ayant la culture dans ses attributions. Mais il faut aussi qu'il y ait des études au niveau de la géographie, de la géologie, de l'histoire, pour que ces sites soient bien connus et bien décrits et qu'il y ait des publications là-dessus. Et deuxièmement, il faut que il y ait des publications sur cette histoire-là, l'histoire de ces sites, et puis qu'ils soient aménagés et qu'ils soient visités régulièrement. Mais cela doit entrer dans le cadre du renforcement de la politique culturelle et de la conservation
des éléments du patrimoine culturel à la fois matériel et immatériel. Les termes Ubugesera ou Umugesera signifient quelque chose de cynisme, de malheureux. Le professeur Bukurdeni explicite à propos de ces vocables que beaucoup de Burundais ont du mal à contenir. Le royaume du Bugesera est très important dans l'histoire du Burundi. Et plus tard, la partie la plus importante du Bugesera a été dénommée Bugeru, parce que le terme Bugesera avait une connotation négative, parce que Bugesera, Kugesera, Umugesera, c'est négatif en Kirundi, suite à un événement historique malheureux où un homme du clan des Bagesera, donc en Mugesera, qui s'appelait Rutanda, a tué un roi du Burundi pendant une guerre contre le Rwanda à l'époque de Cyilima Rujugira du Rwanda et Mutaga Sebitungwa du Burundi, qu'on appelle Senyamwiza aussi. Bon, alors le roi Mutaga fut tué par un Mugesera et on a dit Umwami yishwe n'Umugesera. Et désormais, tout ce qui s'appelle Mugesera ou Bugesera eut une connotation négative. Mugesera, ce serait non seulement un rebelle, mais aussi un homme méchant, cruel, etc. Et Bugesera signifie quelque chose de sinistre, de mauvais, de méchant. Et le territoire du Bugesera qui fut conquis par le Burundi a été rebaptisé Ubgeru pour dire que c'est quand même bénéfique, que ce n'est pas mauvais. Parce que continuer à l'appeler Ubgesera porterait malheur sur le Burundi.